Barack Obama, Justin Trudeau, de nombreuses personnalités s'affirment aujourd'hui ouvertement féministes. Des organisations comme ONU Femmes, Men Engage ou Zéro Macho demandent aux hommes de s'engager pour plus d'égalité. Nous sommes allés dans les rues de Neuchâtel pour questionner la population et voir si les hommes se revendiquaient féministes. Est-ce que vous êtes féministe ? Je suis normal, disons. Non, il me semble pas. Et vous, est-ce que vous êtes féministe ? Oui, je suis féministe. Je crois, oui. Il faudrait demander aux autres plutôt, mais je me considère plutôt équilibré entre féministe et, comment on dit de l'autre, je sais pas. Non, je pense pas, non. Non, je doute, non, je crois pas. C'est un mot qui vous dérange, qui vous plaît pas trop, le féminisme ? Non, non, alors c'est certainement pas vu comme un gros mot. Pour moi, c'est un mot qui signifie quasiment plus rien, parce que je vois pas où il pourrait y avoir des différences. Donc féminisme, ça veut dire différence, et pour moi, il n'y en a pas. Ça fait penser à de bonnes valeurs, je pense. Égalité salariale, ce genre de choses. Est-ce qu'un homme peut être féministe ou bien c'est seulement réservé aux femmes ? Non, un homme peut l'être, tout à fait. Hey, j'ai plus l'impression que c'est les femmes qui sont féministes. Non, je pense qu'un homme peut être féministe. Oui, je pense que les hommes peuvent être féministes, oui. Enfin, en tout cas, penser que l'homme est l'égal de la femme et la femme l'égal de l'homme, je pense que c'est pas forcément dévolu aux femmes. Oui, je pense bien que sûr. Oui. Ouais. Je sais pas si on peut parler de féminisme, en tout cas, dans mon entourage, j'ai effectivement principalement des hommes qui sont acquis à la... aux causes féministes, en tout cas, que moi je défends, qui sont l'égalité des salaires, le respect dans la vie de tous les jours, le partage des tâches ménagères, quand tu parles aussi de chez toi. Qu'est-ce qu'un homme féministe fait que les autres hommes ne feraient pas ? Bah, il a d'abord un respect de la femme, par exemple, et puis une égalité de traitement. Faire attention à toutes ces petites habitudes qu'ont les hommes et puis sur les femmes, même si ça se traduit par des petites choses, couper la parole à une femme alors qu'elle est en train de parler. Je pense qu'on soit à l'écoute, sont respectueux des valeurs des autres, sont à l'écoute des valeurs que les femmes défendent. Il faut s'ouvrir encore davantage, pas faire du sexisme ou des exclusivités. Il faut dénoncer. Oui, tout à fait.